La parole est à Monsieur Schaffhauser. Pleine clémence dont fait preuve Madame la haute représentante vis-à-vis de celui que l'Union européenne appelait le dernier dictateur d'Europe me surprend. La ficelle est un peu grosse, levée des sanctions contre rapprochement vers le camp occidental, mais recherche d'une sortie de l'orbite russe. Ici, bizarrement, plus question des droits de l'homme, le gouvernement biélorusse continue pourtant d'avoir un contrôle strict des médias et n'est pas prêt à recevoir et à renoncer la peine de mort. Mais le chantage géopolitique est au-dessus des prétendues valeurs européennes. Valeurs européennes fluctuantes, très fluctuantes, au gré des intérêts des puissances extra-européennes en outre. Mais la Biélorussie reste un pilier de l'intégration européenne. C'est ce que démontrent les projets de centrales nucléaires avec la Russie ou les troupes aéroportées russes et biélorusses. Mes chers collègues, essayons de construire des ponts et non pas des murs érigés contre la grande Europe. Je vous remercie.